bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Majora's Mask. Et on va tout de suite remonter en... Enfin... On va tout de suite ralentir le temps. Parce qu'aujourd'hui, on va se rendre vraiment dans la prochaine zone du jeu. Bon, c'est déjà rendu un petit peu dans la prochaine zone du jeu. Enfin, dans la nouvelle zone du jeu. Ça va être savoir le cimetière d'Icana. Mais là, aujourd'hui, on va se rendre dans la vraie nouvelle zone. Merde, je me suis trompé, je suis remonté à l'autre du premier jour. Je croyais que... je suis pas réveillé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on est bon. Voilà, là c'est le bon truc. Voilà, on est bon. Alors, du coup, on se rend dans la zone du canyon. Oui, c'est bon, on a compris. Hop, voilà. Alors, appelons Epona. Viens là, Epona. Allons-y. Ah, ça c'est cool, là. Ça, le changement de zone m'a fait remonter tout sous mes carottes. Parfait ça. Alors il me semble, si je ne dis pas de conneries, si je dis pas de conneries, il faut porter le masque de Garou, là, Kagoule Garou, pardon. Et lui il va nous parler à un moment, je crois. Ouais, voilà ça. Kichichi, c'est un bien joli masque que tu portes. C'est le masque du chef du clan des ninjas qui autrefois était venu pour emprisonner, pour espionner dans le château d'Icana. Avec celui-ci, tu vas pouvoir appeler les esprits des ninjas égarés. Peut-être seras-tu capable de les aider. Kichichi. Voilà. Donc maintenant, on a la possibilité de rentrer dans le château. De monter cet endroit. On pouvait le faire tout dans l'épisode, mais je préférerais faire le cimetière avant. C'est mieux de faire ça maintenant. Enfin, c'est mieux de faire le cimetière avant. Il est quoi? Il est plus là, le gars? Il a disparu? Ok. Ah, oh, ils sont chiants, ces trucs-là. Wow, wow, doucement, hein. Ouais, d'accord, j'avais le combo là, je pouvais rien faire. Et donc, hein. Heureusement que je prends pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est bon, c'est pas tout fini. Et on n'a pas passé 3000 fois ici. Donc nous arrivons, les amis, dans la vallée d'Icana. Avec cette musique qui est très très flippante et très inquiétante. Et nous retrouvons le voleur qui est là. Regardez. C'est le voleur qui vole le sac de la grand-mère. Alors il me semble qu'il y a un garrot quelque part ici. Dans mes souvenirs. Eh, voilà une belle épée. Savais-tu que dernièrement les fantômes sont arrivés dans le village d'Icana de l'autre côté de la rivière? Bah, que ce sont les fantômes de la famille royale d'Icana. Plus personne ne vit là-bas, c'est complètement désert. C'est pour ça que je suis parti. Je crois qu'il reste quand même un homme et sa fille qui enquêtent sur les fantômes. C'est vraiment une belle épée que tu as là. Je peux la... Non, oui, bien sûr. Oh, très bien. Non, mais il a cru, lui.
Ouais, voilà, c'est bon, je m'en souviens. Il est là, le... Maître, ordonne et j'obéirai. Qui êtes-vous? Bon, alors du coup, c'est pas compliqué. Il faut l'esquiver et le taper. Voilà. Et il faut le taper qu'une seule fois et on l'a eu du coup après. Voilà qui est regrettable. Tu as été un adversaire vaillant. Je tire ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Pour franchir la vallée d'Ikana, il te faut décrocher les traits de glace sur les créatures de la rivière. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie des garous. Très bien. Donc voilà, à chaque fois qu'on va rencontrer les garous dans la vallée d'Ikana, ils vont nous donner des indices. Donc je crois qu'on va, on peut tous les avoir. Mais je sais pas si nous on les aura tous. Et ouais, j'ai pas de flèche. C'est génial. Putain, c'est sérieux. Lâche-les. Comment on fait? Ah. Bon, bah, très bien. Maître, ordonnez, j'obéirai. Qui êtes-vous? Bon. Voilà, je t'ai eu. Voilà qui est regrettable. Tu as été un adversaire vaillant. Je suis allé voir un. L'âme de Bémol, le compositeur, repose dans le cimetière d'Ikana. J'ai entendu dire que son frère Diez se trouve dans Ikana. Je sais, je l'ai rencontré. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie des garous. Alors, on va essayer de trouver des flèches. Parce que bon, c'est un peu la merde si j'en ai pas. Il n'y en a pas là par hasard? Non. Ça sert à rien. But d'Ikana au-dessus du canyon, attention aux octorotes. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y en a là-bas? Et bon, on va le savoir tout de suite. Mettons un masque de rapidité. Ah, il y a quoi ici? Ah oui, il y a un gars qui veut un titre de propriété, c'est vrai. Et là, je devrais pas venir parce que ça spoil un peu pour un truc plus tard. Mais il n'y a pas de flèche. Comment je fais? Je vais quand même partir en arrière. Ah, j'ai de la flemme en arrière. Ouais, je suis obligé de les avoir. Bon, bah, je vais faire un cut et puis je vous trouve ici quand j'aurai des flèches. A tout de suite. C'est bon, j'ai mes flèches. Ah oui, et regardez en fait ce qu'elle va me dire. Regardez, dès que je m'approche d'un endroit où où il y a ça, je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang, une présence étrange. Je crois que tu as un masque qui permet d'appeler ceux qui se cachent dans les endroits. Et en fait, ça veut dire qu'il faut que je mette le masque de garrot. Donc j'enlève le masque de lapin, voilà, hop, hop, voilà. Normalement, voilà. Et je crois que lui on l'a déjà battu, parce qu'ils reviennent, hein. Ok, connard. Alors qu'est-ce que tu viens de dire cette fois-ci? Je crois qu'il va dire la même chose, hein. Ouais, ouais, il m'a déjà dit, je suis la... Il m'a déjà dit ça. Bon. Alors, moi, j'ai mes flèches de glace. Bah d'accord. Je vois. Parfait, ça. Hop. On peut passer maintenant. Alors maintenant, grappin, non, grappin, et on monte tout là-haut. Où est le prochain? Là. Quelle ascension! Et le dernier, il est là. Ouais, c'est bon. Nickel. La fume, on va la prendre parce qu'on va en avoir besoin.
Pas besoin. C'est au cas où. Mais mais c'est sûr qu'on va en avoir besoin. Voilà, parfait. Et là, on active la statue. Bien entendu. Oh bonjour. Maître Dornet, j'obéirai. Qui êtes-vous? Je sais pas qui je suis. Ah enculé. Oh puis y'a l'autre qui va m'enlever là. T'es mort. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Voilà qui est regrettable. Tu as été un adversaire vaillant. Je tire ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Celui qui entre dans la source souterraine sans les notes du chant gravé sur la tombe s'exposera au désastre. Défiance et méfiance de tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie des garrots. Très bien. Bon, moi j'ai compris ce que ça veut dire. Peut-être que vous n'avez pas compris, mais moi j'ai compris. Alors, cette zone, c'est simple, il y a des morts qui traînent un peu partout. Des momies. Ouais. D'accord. Bon, ça va être rempli de ça, hein, les amis. Hein. Ordonnez, j'obéirai. Qu'êtes-vous? Ah, mais. T'as pu le ressortir du cercle, pas moi. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour libérer la rivière asséchée, tu dois aller dans la source souterraine. Ouais, ok. Très bien. Là-bas, il y en a ou pas? Donc, je disais, la zone elle est remplie de. Encore? La zone elle est remplie de momies. Et il y a un truc à faire pour que. Pour les faire disparaître, mais on va aller le faire juste après. Maître Zone et j'obéirai. Qui êtes-vous? Alors, vas-y, frappe. Mais putain! Énervant. Tout cela est regrettable. Voilà. Meurs. Donc voilà, je suis... Toutes les deux minutes, la fille vivant dans le moulin à musique sort pour chercher quelque chose. Mais aussi longtemps que les esprits entrent à cet endroit, elle n'ose rester longtemps à l'extérieur. Défiance et méfiance de tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie des garous. Ah, encore? Putain, il y en a partout. Merde. Qu'est-ce qu'elle dit, Taya? On dit que c'est un garrot. Concentre-toi pour éviter ces coups de TP. Alors, ok, ok. De la colline des canards, aucune présence humaine n'ose s'aventurer, sauf un père et sa fille qui vivent dans le moulin. Défiance et méfiance de compagnon. Moi, ça laisse de traces, telle la voix des garrots. Très bien. Bon, ça devrait être bon, ça devrait être bon. Il y en a encore quelques-uns, mais. Concernant, c'est fini. Sans taper toutes les 5 minutes, ça va 2 secondes, mais bon, hein. C'est chiant. Alors là, c'est quoi? Rien. Oh, y a Tingle, c'est vrai, j'avais oublié. Tingle. Alors, tu atterris ou Tingle, si je te tire dessus? Yep. C'est bon, il atterrit où je veux. Oui, j'achète une carte, s'il te plaît. Alors, ouais. Oui. Forteresse de pierre. Voilà, parfait. Parfait. On a donc la carte de. C'est mon magique, ne les vole pas, parfait. On a donc la carte de la. Déjà, 1 de la vallée du canard et 2 d'une zone pour plus tard. Donc, là, ce qu'il faut faire. Il me semble que là, c'est un vendeur d'esprit. Si je me trompe ici, pas de conneries. On va aller voir ça tout de suite. Hutte des fantômes, nous avons préparé des esprits qui n'attendent que vous. Ouais, non, c'est un vendeur d'esprits. Ok, d'accord, c'est un vendeur d'esprits. Là-bas, on va pas y aller tout de suite. Hein, mais je vais juste voir s'il n'y a pas de garrot dans le coin. Mais je crois que c'est fini, je crois qu'il n'y en a presque plus. Alors, s'il y en a, c'est rare.
Merci pour le Wopi. Ok, ok. Bien, maintenant on va pouvoir se rendre là-bas. Faut bien garder l'ocarina sur nous parce que les gars nous l'ont dit, c'est ici la source. Donc regardez, alors il y a écrit quoi? Grotte d'eau de printemps, entrée interdite en raison d'apparition de fantômes. Très bien, ben, on y va. Même s'il y a des fantômes. Ça fait flipper, n'est-ce pas? Que viens-tu chercher dans le royaume d'Ikana, pays où seuls subsistent les ombres de la nuit? Ce n'est pas un endroit pour un être gorgé de vie comme toi. Peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts. Qu'il en soit ainsi. Si c'est ta volonté, alors la mélodie de Dièse, le grand compositeur te plongera dans le sommeil froid et glacé du royaume des ombres. Tu vas nous rejoindre. Voilà, et là j'ai un sort qui me fait perdre progressivement ma vie, mais faut se brouiller. Et la musique qu'il faut jouer, les amis, je vous donne en mille, c'est bien entendu. Donc c'est le frère de bémol au cas où vous l'avez pas compris. Qu'est-ce que. Cette chanson? Non, ce n'est pas possible, cette chanson. Bémol, mon cher frère, pourras-tu pardonner à ton frère devenu fou qui voulait faire revivre la gloire éteinte de la famille royale d'Ikana? Toi, oui toi, qui n'as pas peur des morts. Grâce à la chanson de mon frère, tu as levé la malédiction qui était placée sur moi. Je t'en remercie. Cet endroit n'est pas pour nous. Nous les morts, nous devons partir. Tout ça, c'est un tour que ce garnement masqué nous a joué. Si tu ne crains vraiment pas les morts, tu dois aller dans le temple de ce royaume pour trancher le lien maléfique qui nous unit au monde des vivants. Pour faire cela, moi, le seul qui connaisse le chemin du temple, je vais te conduire au roi d'Ikana. Le roi se trouve dans les ruines du château d'Ikana. Il attend celui qui pourra lever la malédiction.
J'ai fait ma dernière requête. Bien. Donc vous voyez que l'eau est revenue et que ça a réactivé le moulin. Et Moulin qui lâche une musique que vous connaissez sûrement puisque c'est une référence à Mario 64. Tiens, il y a un garou là. Ouais, mais on l'a déjà vu, hein, lui. À moins que je divague. Je divague totalement, peut-être. C'est une musique qui est dans Mario 64. C'est dans c'est dans le niveau, je crois, du roi Boo. Ah ouais, il y a encore un garou là. On va aller voir l'affronter. C'est dans le roi Boo, c'est l'espèce de tourniquet là. Il y a cette musique là dans... Bon, après je sais plus exactement, hein. Moi ça fait longtemps que je l'ai pas fait dans 64. Hein. Maître Ordonne, j'oublierai. Alors lui je crois qu'il va nous donner... Je sais quel indice il va nous donner, je crois. Je sais à peu près lequel d'indice il nous donne. Oh connard. D'accord, ok. Quel débile. Putain, mais je fais comment moi? Ah non, c'est bon, il a ressauté. J'ai eu peur. Mais ouais, je le fais exprès. Tu le fais exprès ou quoi? Voilà, on l'a eu. Voilà qui regrette, je te tiens ma réponse. Le puits au sommet de la colline est le puits de la cour intérieure du château d'Ikana communique. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie des garous. Très bien. Et donc il part de ce puits là. Puits vide, entrée interdite en raison d'apparition de fantômes. Voilà. Donc on fera ça dans le prochain épisode bien entendu. Parce qu'il faut, il faut absolument y aller, c'est pour atteindre le château d'Ikana. Voilà, là elle est sortie la petite fille d'ailleurs. Faut en profiter, faut mettre le masque de pierre. Voilà, et voilà, quand elle sort, ça veut dire que moi, je peux rentrer. Parce que si elle est à l'intérieur, je ne peux pas rentrer dans la maison, la porte est verrouillée. Mais dès que la petite fille sort de sa maison, moi je peux en profiter pour rentrer. Donc moulin à musique. Très bien. Donc vous enlevez le masque de pierre, ça sert plus à rien. Donc ça se passe en bas. Et là on pourrait penser que... Attends, si je m'approche, il se passe quoi? Voilà. Et là, elle vient dire non, arrête. Qui es-tu? Ça ne se fait pas de rentrer chez les gens comme ça. C'est papa qui me l'a dit. Ne fais pas ça, c'est moi, Pamela. Attends. What? Non, on est censé jouer le chant de l'apaisement, mais c'est pas grave. J'ai quand même paniqué le jeu. Va-t'en, oublie ce que tu as vu, va-t'en. Oui, non, faut quand même jouer le chant de la... Non, putain. Je crois que j'ai niqué le truc. J'aurais pas dû m'approcher, en fait. Je crois qu'il fallait directement jouer le chant de l'apaisement. On va retenter le truc. On va mettre le masque de pierre. Est-ce qu'elle ressort de chez elle? Par hasard. Ou alors je vais remonter dans le temps. Ce qui risque de fort me faire chier. Ce qui risque de fort me casser les couilles, franchement. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu ressors de chez toi? Tu ressors pas de chez toi? Alors? On va aller faire un tour, hein. En fait, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû m'approcher de lui. J'aurais dû directement jouer le chant de l'apaisement. Ou alors, tu ressors de chez toi ou pas? Prochaine ellipse. A few moments later. Les amis, c'est bon, je crois qu'elle ressort en fait. J'aurais pas besoin de retourner dans le temps, ça c'est cool. On va juste attendre qu'elle...
D'accord. Allez, oh, fais quoi là? Tombe pas. Donc, on retente. On enlève le masque de pierre. Voilà. Et là, cette fois. Il faut jouer le chant de l'apaisement. Papa. Pamela. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Rien, mon petit papa. Il ne s'est rien passé. Tu as fait un mauvais rêve. C'est juste un mauvais rêve. Pamela. Et on obtient le masque de la momie. Donc ce masque était avant le visage hideux du père de Pamela. Ce masque est si réaliste et si effrayant qu'il pourrait tromper même une momie. C'est quand même assez triste, hein. Mais bon, nous au moins on a récupéré un nouveau masque. Le masque de la momie, qui va être très utile. Et d'ailleurs très flippant, hein. Pas se mentir. Bref. Après cela, on va bientôt pouvoir s'arrêter pour cet épisode parce que il me semble que là, le prochain truc, faut aller faire le puits et que j'ai plus rien à faire dans la zone. Pour le moment, non. Alors, si vous n'avez pas compris, le château il est là. Hein. Le château d'Ikana il est juste là. Ce truc là, vous verrez plus tard ce que c'est. Mais c'est le truc le plus casse-couille du jeu. Après, non, sinon le château il est là. Et puis il va falloir passer par le puits pour arriver au château. Le château qui a une musique assez cool d'ailleurs. Tiens, y'a quoi là? Ça... Attends, je me souviens même plus de ce qu'il y a en fait. Lutte des fantômes. D'accord. Oui, d'accord. Ouais, je m'en souviens. Ouais, ils vendent des fantômes. Ils vendent des esprits en bouteille. Et c'est à lui d'ailleurs que j'aurais pu vendre dans l'épisode, vous savez, au cimetière. C'est à lui que j'aurais pu vendre des esprits, je crois. Enfin, l'esprit que j'ai récupéré dans la tombe, dans l'endroit où Igor cherchait le trésor. Quand j'ai récupéré là, bah salut, j'aurais pu la vendre. Mais bref, voilà, du coup, les amis, le prochain épisode, on ira faire le puits. Mais là, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais aller sauvegarder. Peut-être prendre une fée si c'est possible. Ouais, si elle est revenue, reprendre une fée, ça pourrait être cool. On va faire Ruby là, voilà. Alors, est-ce qu'elle est là? Ouais, il y a une fée, nickel. Viens là, la fée. Viens là. Viens là. Voilà, parfait. Voilà, donc du coup, sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si il vous a plu, eh ben, vous abonnez, vous partagez, vous likez, vous commentez, tout comme d'habitude, quoi. Hein. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de la vidéo 7 écrans dans rétro. À la prochaine pour une vidéo. Bye tout le monde!